notre YouTube. Bonjour YouTube, bonjour nos amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Undertale, un nouvel épisode en compagnie de Gelfe et Kin. Bonjour les copains. Coucou. Gelfe qui adore me mettre... Ah merci. Merci, merci. C'est parti. Ah oui, du coup on avait tué Undyne, je me rappelle. Tiens, vous le dire. Et on est du coup en voie normale, pour ceux qui se demanderaient. Bah alors. Oh gosse. C'est vous? C'est trop sombre pour voir. Près des murs, ok. Ah, il fait encore trop sombre. Ok, pas de soucis. Oula. Yes. Oh, oh mon dieu. Je ne m'attendais pas à ce que tu arrives si vite. Je suis pas douché, à peine habillé, c'est le désordre et... Salut, je suis le docteur Alphys, c'est moi le scientifique royal d'Asgore. Je fais pas partie des méchants. Et en fait, depuis ta sortie des ruines, j'ai... observer ton voyage à travers ma console. Des combats, des amitiés, tout. Au début, je pensais t'arrêter, mais... Gros stalker. Sur une personne à travers l'écran me rendait vraiment plus attachant. Maintenant, je veux t'aider. Et en usant de mon savoir, je peux facilement te guider dans Kalsuther. Je connais un chemin vers le château d'Asgore, sans aucun problème. Oh. Sauf que, en fait, il y a un seul petit problème. Il y a longtemps, j'ai construit un robot nommé Metaton. Ah. Je l'avais construit pour être un robot de divertissement au départ. Et tu sais, comme une star de télé robotique, quelque chose du genre. Toujours et il y a que récemment, j'ai décidé de le rendre plus utile. Tu sais, juste quelque chose plus justement ici et là, et quelques ajustements en clair. Du genre, des fonctions de combat anti-humain. Bien sûr, en te voyant arriver, je me suis dit tout de suite, que je devais retirer cette fonction. Cela dit, j'ai dû faire une toute petite erreur au passage. Et maintenant, c'est une machine à tuer incontrôlable soit fait de sens humain. peut-être bien que nous ne tomberons jamais sans lui. Peut-être. Tu as entendu ça? Ça pue. Oh non. C'est le dinosaure de Jurassic Park. Un putain de dinosaure qui arrive dans mon labo. C'est quoi ce délire? Ah, j'imagine que c'est moi, ok. Oh oui! Bienvenue, mes jolis! Au jeu télévisé du jour! Oh là là! Cet épisode s'annonce grandiose! C'est moi qui vous le dis! Tonnerre d'applaudissements pour ce fabuleux humain qui sera notre candidat! Jamais joué auparavant, mon poussin? Aucun problème! C'est très simple! Il n'y a qu'une seule règle,
Réponds correctement. Ou meurs. Ok. Ok, Metatone attaque. Action. Metatone. Chouiné. Eric stipule que seul Metatone a le droit de se donner en spectacle. Commençons en douceur. Que gagnes-tu pour chaque bonne réponse? Plus de questions. Le quiz se poursuit. Bah, on chouine encore, hein. Ok. C'était splendide récompense. Quel est le nom complet du roi? Asgore Dreamer, bon. Ça va. Le quiz se poursuit. Chouiné toujours. Eric stipule que seul Metatone a le droit de se donner un spectacle. Assez parlé de toi, parlons de un peu de moi. Pourquoi sont faits les robots? J'ai envie de dire de rêve d'espoir, hein. Allez. Fuck! C'était pas ça! Facile, ok. Un train A et un train B quittent leur station respective à la même heure. Salaud. Donc ces deux trains se croisent. Ok. Je compte pas sur... Pas trop sur ta victoire, d'accord. Combien y a-t-il de mouches dans ce pot? On chouine encore. Je vous appelle à ta mémoire. De quel monstre s'agit-il? Croix-pour, bien sûr. Oh l'enculé! Mais c'est pas drôle! Espèce de bâtard! Objet, vite! À manger! Ensuite de celle-ci. Embrasserais-tu un fantôme? Un problème. Chouiné. Là, c'est cadeau. Combien y a-t-il de lettres dans Meta? Foiré. Ça va s'arrêter à un moment. Hein. Fuck, j'ai pas eu le temps. Putain. Ah, chier. Au hasard où il a capté, t'observe pas, t'observe vraiment pas, ça veut dire. Eric, il faut que j'observe. Bien, moi j'ai de la chance, faut pas le dire. Dans le dating simulator, miou 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 bisous. Il y a la nourriture préférée de miou miou. Ah, ça je sais, de la glace dans le chapitre 4, tout le monde est jeté la glace de tous ses amis, mais c'est ça, les escargots, personne ne me fait son préféré, on arrive tout au fond. Sur l'amitié. Bah, c'est pas galère. C'est galère. Alphys, Alphys, Alphys. Il serait pas en train de lui donner des indices des fois? Bon, il fallait me dire, il fallait me le dire de suite. Je vais donc poser une question, dont tu connais forcément la réponse. Pour qui en passe le docteur Alphys? Sérieusement? J'y crois pas. Ce narcissisme, cette vanité, j'adore. Bien, qu'il soit à côté de la plaque, ta réponse mérite considération. Oh, j'ai pu la voir te surveiller sur son écran ordinateur. Sourire lorsque tu réussissais. Geindre lorsque tu échouais. Et murmurer constamment. Non, pas par là, de l'autre côté, comme les trois quarts des viewers. N'est-ce pas une forme d'amour, à certains points de vue? Bon. Si le docteur Alphys continue de t'aider, il n'y aura plus du tout de suspense. On ne peut pas se permettre de continuer ainsi. Mais, s'il n'était que l'épisode pilote, au programme la prochaine fois, du drame, de l'amour, de la violence! Alors à très vite, mes chéris.
Ce n'est pas abstraction de le... Voilà. Easy. Bon, eh bien, c'était quand même un sacré numéro. Attends, attends. Laisse-moi te donner mon numéro de téléphone. Oh non, pas encore un vieux lourd qui veut me baiser. En cas où, si tu as besoin d'aide, je pourrais... Je vais voir sous mon pantalon, ouais. Ah. Ah, pas du tout, non, pas ton pantalon. Il y a tout ton téléphone. Il est préhistorique. Je ne peux même pas envoyer de texto. C'est vraiment de la merde. Ah, attends une seconde, s'il te plaît. Voilà, je te l'ai amélioré, parce qu'il était vraiment tout pourri ton téléphone. Déjà les textos, les objets, il y a même un porte-clés, il est magnifique. Je me suis fait un compte sur notre réseau social numéro 1, Undernet. Dorénavant, notre amitié est officielle. Il faut que j'aille aux toilettes. Oh non. Il a pris le photo de moi, j'en suis sûr. Bref. Quoi, j'espère que si jamais dans le chat on n'entend pas assez nos amis doubleurs, dites-le-moi. Dites-le-moi, ça m'intéresse. Les livres scientifiques, ils semblent très poussiéreux. Tous ces livres sont étiquetés Histoire des humains. Non. Décidé de ne rien toucher, effectivement. Est-ce que c'est pas l'aspirateur dans les Teletubbies ? Substance rose et visqueuse dégouline de cette machine. Une substance rose et visqueuse dégouline de cette machine. C'était autre chose. On dirait la table de travail d'Alphys. Elle semble poussiéreuse. Il faut rien, en fait. La garde-robe est remplie de blouses de laboratoire sales. Et une seule robe propre. Des lettres de monstres ici, comme Croix-Pot, Collier, ou Commandog. Elles n'ont pas été ouvertes. Voilà une invention incroyable. Quand il n'est pas utilisé, ce lit se transforme en boîte extrêmement facile à dessiner. Oh la flemme des développeurs, quoi. Ce poster fait la promotion de la première apparition des Metatones à la télévision. Au dos, on peut lire « Merci à toi pour avoir fait de mes rêves une réalité ». Oui, c'est logique en vrai. Encore une fois, c'est une femme. Il a dit « il » en parlant d'Alphys. J'ai vraiment un problème avec les gens. Hein. Comme avec Undyne, dur de savoir si c'est un homme ou une femme. Ok, donc Alphys est une femme. Bon, arrêterai de faire l'erreur. Du coup, est-ce que je peux regarder son PC maintenant ? Un ordinateur. Il est relié à une sorte d'énigme en couve-neige. Ok. Le réfrigérateur est rempli de nouilles instantanées et de soda. Voulez-vous prendre un paquet de nouilles ? Bah, clairement, vous obtenez des nouilles instantanées. Là, il n'y avait rien. Ok, il n'y avait rien. Bah alors, on n'est plus aux toilettes ? Ah, il y a un autre chemin. Oh non. Et Alphys, c'était une... Ouais. Alphys a changé son statut. En fait, j'ai pas vu Undyne combattre l'humain. C'est... Oui, il va me saouler. Alphys a changé son statut. Boarf, elle est imbattable. Je lui demanderai tard. En vrai, il y avait un autre chemin, donc je vais d'abord prendre l'autre chemin en bas. Parce que j'ai vu qu'il y avait un autre chemin avant. J'ai pas mis de timer, je suis un gros con. Bon, papap, ça fait combien de temps qu'on a commencé ? Je pense que ça fait 10 minutes. Toi qui dis qu'il n'y a pas de dialogue avec Alphys, je crois qu'on a quand même pas mal. Effectivement. Hein. Il y avait un chemin en bas. Parce que j'ai bien du de la gauche, hein, ça je le sais. Ouais. Bon, vu que je ne sais pas encore quelle voix il a et qui c'est, je vais lui mettre une voix mystérieuse. Voilà. Je suis le passeur.
moins que je ne sois une passeuse, ça n'a pas grande importance. J'adore voyager à bord de ma barque. Veux-tu me tenir compagnie? Monte à bord de la barque. Allez! Où allons-nous aujourd'hui? Ah, en fait, c'est juste un... C'est un mec qui va nous mettre... Qui va nous envoyer... Eh bien, c'est parti. Ah, en gros, c'est juste un... comme un TP, quoi. Vite. Bon, c'est pas grave. Ah là, Trilling. Ça aide. Boom, 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 boom. I want you in my room. Bref. Et je vais reprendre le truc parce que j'ai pas envie de... C'était là. Prenez donc une autre fois, Tralala. Tralala. Tu veux venir faire un tour? On t'a abordé la barque. Où allons-nous aujourd'hui? Quelle cité? Bien. Parti. Boum 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 boum. I want you in my room. Voilà. Village d'ennemis. Tu es juste avant la salle des lanternes scintillantes. Ok, donc c'était vraiment un sort de TP, ouais, bref. Je m'en rapide, quoi. Oui, donc une autre fois, Tralala. Ok, bon, continuons du coup, hein. C'était le bon chemin, je pense. Oh non! La fille a changé son statut. Pour le moment, je dois appeler l'humain et le guider. Oh, elle va me saouler. Oh, c'est joli. Regarde, on est trop potes! Volcalin se balade par ici. Action, ben... Kaliné, je suis pas sûr, il va me brûler encore. Donc, on encourage. L'attaque passe à l'extrême. Ah! Bah je le saurais, hein. Quelle idée de merde. C'est bon. Fièrement autour de... Ah, mais c'est bon. Quel... Alphys a changé son statut. Je vais l'appeler dans une minute. Oh non. Ah, différents chemins. Par rapport à où on va. Pas du tout, pas du tout. Y'avait un truc ou pas du tout en fait? Ok, y'avait juste rien du tout. Vas-y l'humain, c'est trop mon pote. Je vais l'appeler. Oh non. Ne dis pas ça. On sauvegarde. Alphys a changé son statut. Je déteste utiliser téléphone. Je veux pas le faire, PTDR. Thunderplan se met sur le passage. Thunderplan. C'est pas du tout voulu, hein. On va pas l'attaquer. Flirt. Beaucoup pimenté Thunderplan sur la majesté de ses ailes. Espèce de malade. Espèce de malade! Effectue un barrel roll d'anéroutin. S'approcher de Thunderplan. Mais pas trop. Oula! On va pas le prendre un air suffisant. Ok, c'était peut-être le bon truc. Et après, faut que je flirte avec lui, je pense. Il me regarde. Je flirte. C'est belle turbine. Tu as de grosses turbines. C'était pas ça du tout qu'il fallait faire. Shit. Tu commences à me saouler, hein, mon petit Thunderplan. Je crois que je vais le taper, hein. Ok, peut-être qu'il y a un truc à faire avec le verre. Pas
de ses ailes accidentellement. Bien sûr, bon. Les gens... Merde, c'était pas le bon rythme. C'est parti, ma patience a des limites. Et ma limite, c'est exactement 5 secondes. La max. Allez, boost. C'est par là, j'imagine. Ok. Trop bien. Alphys a changé son statut. OMG, j'ai la griffe sur la dernière touche depuis 5 minutes. OMG, je vais le faire, je vais l'appeler. Non, mais vraiment, essaye. Ah. Personne qui appelait a raccroché avant que vous ne puissiez répondre. Non, mais putain, ça va être relou par contre. Hein. Alphys ne m'appelle plus jamais. Vraiment, j'ai pas envie. Regarde s'il n'y a pas des chemins, etc. Oh, une poêle! Merde! Tac, 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 tac! Merde! On peut le faire! Tac, tac, tac! Il y a une poêle à frire par terre. Voulez-vous ramasser cet objet? C'est sûr. Je tenais la poêle carbonisée. Est-ce que c'est une arme, la poêle carbonisée? C'est un timide, c'est une timide laisse là, mais je n'ai rien à faire. Qu'elle m'appelle, merde. Donc pour moi. Un check de ton inventaire. Ah, mais je préfère que vous me le dites, comme ça. Check pas pour rien. Poêle carbo. Info. Poêle carbonisée. Arme, attaque 10, son dégât. Les dégâts sont constants, la nourriture soigne 4 PV de plus, mais c'est trop bien. Et par rapport au... Voulez-vous équiper la poêle carbonisée? Oui. Et par rapport aux ballerines, c'est combien? Arme attaque 7, enfin une arme à l'air menaçant. Ah ouais, donc on est bien. On est bien avec cette poêle. Trop bien. J'ai bien fait d'être venu ici quand même. Oh non, mais mon timer il s'est remis à zéro, what the fuck. Bon bah je vous fais confiance là-dessus, hein, parce que je sais pas du tout à combien je suis. Hein. Mais c'est incroyable. Pourquoi c'est ralentisé? Alphys a appelé sur mon tel, wesh. Elle vient faire ça. Je le sais déjà, Alphys. Ah, ok. Mais pour ce orange, tu savais, tu dois être en mouvement. Oui, je savais. Ah, ils te feront pas mal, hein, t'as compris, hein. Bouge quand c'est orange, hein. Et avance à travers ces lasers. À toutes. C'est gênant, hein. Tu savais pour les oranges. OMG, je l'ai fait! Les griffes n'avaient pas autant tremblé depuis qu'Undyne m'a demandé la météo! Parce que je sais. Attends, y'a pas de météo ici, pourquoi elle m'avait appelé? J'en sais rien, mon pote. Non! Fuck! C'est à peine trop long. Quoi là-bas? Oh non! Trop de chemin s'offre à moi. L'interrupteur appuyé. Toujours appuyé. Ah bah. Quel. Genre comment il sait? Ah, c'est pour votre rigueur, je savais pas. Je croyais qu'on me l'avait déjà dit. Oh mon dieu, j'ai oublié de lui dire où aller! Tout trop mimi de moi à l'instant. C'est la photo d'une poubelle, mais avec des filtres roses scintillants. Non mais. C'est relou, franchement. Ici Alphys. La porte au nord reste verrouillée tant que... Tant que les énigmes à gauche et à droite ne sont pas encore résolues.
Je pense que tu devrais aller à droite d'abord. Ok. Elle m'a dit à droite. Pas de soucis. Mais voilà, c'est Alpice. Mais il semble imposé de passer à travers de ce laser-boom. Mais... en tant que scientifique royal, je suis plus... Oh, pardon. Je veux pirater la base de données de... Cette citerne, elle est désactivée. T'as pas beaucoup trop, là. J'ai en train de manger. On traînait dehors tranquille quand soudain, toutes ces énigmes sont réactivées. C'est vachement problématique. Et ça gère. À tous les coups, ils ont dû annuler l'école. Trop bien! Enfin, quelqu'un a désactivé ce laser. Vu qu'on est libre, on peut... Eh ben, je crois qu'on va se contenter de rester planté là. Tirez sur le vaisseau ennemi. Déplacez les boîtes pour compléter la mission. Ah, ok. Je comprends maintenant. Ok, donc tac. Merde. Cheat. Non. Non, mais c'est complètement con ce que je fais. Ah, quoique. Ah mais non, oui, c'est complètement con. Merde, putain non. Ça marchera pas comme ça. Juste à faire là sans le bouger parce que sinon. Ah! Comme ça. Là, j'en reviens toujours au même résultat. Alors, si vous avez fait cette énigme en 2 secondes, si jamais j'en ai rien à foutre. Pas en mettre un au milieu parce que je voulais mettre un au milieu en bas mais du coup non ça marchera pas. Ah ouais mais non ça m'embêtera trop, s'il y en a deux en bas c'est mort. À part si je mets sur les côtés mais je doute fortement que ça se passe quelque chose. Putain, et là il faudrait juste qu'il aille à droite en fait. Je peux pas parce que ça m'amène tout. De sûr faut remplir ça. Oh, le nez. T'as 2 tirs. Ah putain, j'avais oublié mes 2 tirs, c'est vrai. Ma mémoire. Yo 0. Zéro Vegeta. Est-ce que tu vas bien? Tire sur un cube. 0 a perdu sa patience. 0. Ok, et du coup pour tirer c'est quoi? Merde, c'était ça. Merci pour ton follow, 0. Merci beaucoup. Du coup j'ai tiré sur quoi? Je sais même pas sur quoi j'ai tiré. On s'en fout. Bien. En fait c'était simple, j'ai juste oublié que j'avais 2 tirs. Merci de m'avoir dit.
Mais je viens de comprendre. Ah, j'ai compris pourquoi Zéro, parce que c'était Zéro Vegeta. Je m'attendais au pseudo complet, c'est pour ça que je comprenais pas. La route vers le boulot est bloquée. J'ai suivi l'émission de Metatron sur mon portable. Les effets spéciaux étaient incroyables aujourd'hui. Cet humain semblait quasi réel. Metatron, ouais, c'est la star la plus populaire d'Outre-Monde. Mon fan club doit avoir au moins 3 douzaines de membres. Alphys a changé son statut. Je me demande si ça va gâcher le plaisir si je l'aide. Oui. La porte qui mène à l'autre zone est fermée, du coup j'ai essayé l'énigme. Mais j'étais sans cesse à court de munitions, et ça redémarrait à chaque fois. Et mes deux collègues ne m'aident pas. C'est comme si ça les embêtait de travailler. On appelle là. C'est jeté. Tirer sur le vaisseau ennemi et déplacer les boîtes pour compléter la mission. Ok. Oh, juste. C'est pas faire. Oh là. C'est tout con. Si j'enregistre que j'ai des munitions, ça va beaucoup mieux. Hop. Calme. Ça me fait rigoler quand il a dit salut Zéro Vegeta et après il dit c'est qui Zéro. Ça montre à quel point ma mémoire elle est nulle à chier. Je parle au chat, les gens qui m'excitent. Excuse-moi Zéro, c'était pas fait exprès. Alphys a changé son statut. Et puis zut, je vais l'expliquer. Non. Tu vas te prendre un permaban sur ma chaîne, Alphys, sache-le. À propos des énigmes à gauche et à droite. Fais gaffe à ce que tu dis, hein. Elles sont assez compliquées à expliquer, mais... Tu les as déjà résolues ? Ah, génial ! Super. Intervention inutile. Malaise. Ah, franchement, c'est chouette. C'est petit passage, était rigolo. La musique, trop bien. Il fait plutôt sombre ici, tu trouves pas? Pas d'inquiétude. Je vais pirater le système des lumières et éclairer un peu. Oh, c'est une cuisine. Oh non. Pour ça. Oh oui. Bienvenue, Mimouth. C'est Glenda? Petite beauté à l'émission du pilote de l'autre monde! Yeah! Je rigole. Robot tueur, en fait. Préchauffez vos fours, car aujourd'hui, nous vous proposons une recette très spéciale. Nous allons préparer Agatsu. Pour ce faire, je serai assisté par nul autre que cet adorable humain. Veuillez l'applaudir bien fort. Y'a Gelfeu qui t'a dit tu t'es couré de moi. C'est bon, tu m'as pas entendu. Excusez-moi. J'ai pas pris la bonne voie. Il y a un easter egg à cet endroit. Ok, je vais essayer de regarder. Excusez-moi. Il nous faut du sucre, du lait, des œufs et des tas de bonnes choses. Vas-y, mon sucre d'orge. Excusez-moi pour la voix, j'avais complètement oublié que j'étais resté sur cette voix grave. Pas du tout. Ok, pour lui. Détruire le sucre. Et les œufs. Excellent travail! Pose-les au milieu de ce comptoir. Parfait! Excellent travail, ma petite beauté. On a tous les ingrédients pour préparer le gâteau. Du lait, du sucre, des œufs. Oh là là! Attendez un sublime instant. Comment ai-je pu oublier? Il nous faut... Pardon, il nous manque l'ingrédient le plus important. Une âme humaine! Allô? Je suis un peu occupé là! Attends une seconde! J'étais en train d'écrire! Et si tu faisais.
Si tu utilisais un... si tu utilisais un substitut pour la recette. Un substitut? Tu veux dire, utiliser un ingrédient non humain? Pourquoi? Imagine que quelqu'un soit... végétalienne. C'est pas con. Végétalien? C'est une brillante idée, Alphys! En fait, il se trouve que nous avons pile ce qu'il faut ici. Les substituts super pratiques, saveur âme humaine, MTT. Dont une boîte se trouve justement là-bas sous le comptoir. Alors mon chou, pourquoi ne vas-tu pas les chercher? La chercher. Bah non. Bah non. Bah non. Par ailleurs, notre émission a un planning très serré. Tu ne peux pas obtenir la boîte de conserve en moins d'une minute. Nous devrons nous contenter du plan initial. Donc, tu ferais mieux de commencer à grimper, beauté. Oh non, il n'y a pas plus. Il n'y a pas assez de temps pour grimper. Tu vas jamais réussir. Heureusement, j'ai peut-être une solution. Quand j'ai amélioré ton téléphone, j'ai ajouté quelques fonctions. Tu vois, ce genre, un gros bouton sur lequel on lit Jetpack. Observe. Ok. Stylé. Voilà. Écoute, tu m'as dit, quand j'aurai fini de faire le gâteau, retourne en arrière et regarde bien à gauche. Ok, bah je le ferai, Zao. Pas de soucis. Tu devrais avoir juste assez d'essence pour atteindre le sommet. Maintenant, monte là-haut. Oh, le truc de merde. Oula. Oh putain, non. J'ai pris du sucre dans la gueule. Il m'a gisé dessus. Au secours. Il t'a déjà saucé. Il m'a saucé. Au secours, le robot sauceur. Enfin, j'ai pris que un dégât pour l'instant. Ça se passe bien. Salaud, je pouvais pas le louper. Eh bien, on dirait que tu m'as surpassé, mais c'est seulement grâce à l'aide du brillant docteur Alphys. Oh, j'ose à peine imaginer ce qu'il te serait arrivé sans son intervention. Sur ce, ciao! Oh oui, à propos de la substitution. Tu n'as jamais vu une émission de cuisine auparavant? Le gâteau est préparé à l'avance, alors oublie ça. Éteins. Waouh, on a réussi. On a vraiment réussi. Bon, bon travail, partenaire. Bien, quoi qu'en soit, continuons à avancer. Non, on m'a dit retourne en arrière. Un évier de taille spécifiquement normale. À gauche? J'ai vu à gauche. Je vais voir quelque chose à gauche. Merde, j'ai peut-être pas regardé où il fallait. Oh shit. Oh, j'ai loupé l'easter egg. Est-ce que je l'ai loupé? Oh bien. Hein. Un micro-ondes. Super si on est fan de micro-ondes. C'est un four. Mais semble être au goût du jour. Est-ce que je viens de louper l'easter egg en fait? Que j'ai pas regardé à faire regarder par la fenêtre, je suis sûr. Et crotte. Bonjour Adrou. Est-ce que tu vas bien? Du coup, Zéro, il était là le truc? Parce que s'il était là, je l'ai pas vu. Hein. Tu regardes bien, il y avait Flowey qui apparaît. Oh putain, je suis désolé parce que j'ai pas regardé.
Oui, tu te calmes tout de suite. Tu fais une route neutre ou pacifique ? Neutre ! Il apparaît tellement vite qu'il loupe à chaque fois. Ouais, mais c'est ça, en fait. Pourtant, j'ai regardé à gauche directement, mais... C'est collé à la table. Ah, donc on peut pas le prendre. Merci pour le follow, Adrou. Du coup, c'est neutre, mais si pour t'expliquer aussi, je peux, comme ça, j'explique en même temps à YouTube. Je vais faire une, en fait, je vais faire toutes les voies. Je commence par une neutre, comme ça, je découvre le jeu à ma façon. Et après, je vais faire une pacifiste, une pacifique, et j'en ferai à la fin, je ferai une génocidaire, si jamais ça vous intéresse. Et du coup, je vais profiter de ça pour couper mon épisode YouTube là. Donc YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu, un commentaire et de t'abonner sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à venir sur Twitch aussi, voilà, il y a plein de gens, on parle, c'est trop bien. Sur ce, je te laisse, je te souhaite une bonne journée, une belle soirée ou une belle nuit. À bientôt. Bisous.